Mesdames et messieurs, l'heure a sonné, votre nouvelle émission, les amis de Wichi International. Nous sommes toujours à Bruxelles et je reçois encore une fois pour vous Emmanuel, les porte-parole du prophète Mukungubile. Comme vous le savez, le prophète Mukungubile en Afrique du Sud, le tribunal de Johannesburg a abandonné les poursuites engagées contre le prophète. Pourquoi est-ce que le tribunal a abandonné? Tout simplement parce qu'il n'y avait vraiment pas de preuves de sa culpabilité. Parce que comme vous le savez, il a été poursuivi comme instigateur donc, du mouvement qui a eu lieu à Kinshasa le 30 décembre 2013. On le saura en tout cas tout à l'heure dans cette émission avec Emmanuel, le porte-parole du prophète Mukungubile. En dehors de cela, nous allons également aborder l'actualité congolaise. Hein. On va un peu revenir sur le dialogue. Donc voilà. Bonjour Emmanuel. Bonjour chers journalistes et bonjour à tous les internautes. Voilà, donc première question, bonjour, c'est pas. Bonsoir d'ailleurs, ça dépend. Bonjour, ça dépend. Quel, on nous suit. Voilà, c'est sur internet, vous hein, RT, Tongo me dit pourquoi. Et voilà donc que le prophète Mukungubile qui se trouve en Afrique du Sud a été poursuivi par le tribunal de Johannesburg. Mais bon, depuis quelques jours, le tribunal a pris cette décision d'abandonner les poursuites, faute de preuves. Alors comment est-ce que vous, en tant que membre ou porte-parole du prophète Mukungubile, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Nous avons accueilli cette nouvelle avec une très grande satisfaction. Comme vous pouvez donc le deviner et l'imaginer. Et ce n'est pas comme telle la justice sud-africaine qui avait un grief contre le prophète, mais c'est plutôt le gouvernement congolais qui voulait se prévaloir de ses propres turpitudes. Après avoir massacré et emprisonné de manière injuste nos frères et sœurs, il a voulu donc le bourreau se faire passer pour la victime. Et effectivement, la supercherie n'a pas marché parce que l'Afrique du Sud, Dieu merci, est un pays de droit, un pays de justice. Et nous tenons aussi à rendre donc hommage à ce pays qui fait un effort, en tout cas en matière de respect des droits des individus et des droits des biens communs. Et donc pour nous, cette décision est une décision très juste, celle d'abandonner les poursuites, purement et simplement, parce que le gouvernement congolais n'a pas apporté de preuves. En fait. Ils n'ont pas été en mesure d'apporter les preuves et pour cause. C'est eux qui ont massacré. Laissez-moi vous rappeler un fait. En 2006, parce que le Kanembe n'est pas à sa première forfaiture, j'ai envie de dire, en ce qui concerne le prophète Mukungubile. En 2006, celui-ci, donc Kanembe, donc celui qu'on appelle Joseph Kabila, s'était déjà illustré par cette même barbarie, le terrorisme d'État, comme l'a qualifié le rapport de la FIDH qui a été fait justement concernant ces événements du 30 décembre. Et je vais aussi par la même occasion saluer ici donc le secrétaire général de la FIDH, Paul Ntsapou, qui a fait un travail remarquable. Donc comme je disais, ce gouvernement s'était déjà illustré dans le terrorisme d'État en 2006 sur le 32 candidats à l'époque aux élections présidentielles. Seul le prophète Mukungubile était la cible qui a été l'objet des attaques. Exactement dans les mêmes circonstances que ce qui s'est passé le 30 décembre. C'est-à-dire que c'est dans la résidence du prophète qu'il a envoyé sa milice pour s'attaquer armée comme d'habitude, pour attaquer le prophète. Cette fois-là, l'Éternel avait agi grandement, de manière vraiment prodigieuse, puisque par la bouche du prophète, ces armes-là n'ont pas pu avoir d'effet.
Et comme le prophète, et ce qui fait qu'on a même désarmé la milice qui a été envoyée. Et étant donné que le prophète n'aime pas les armes à feu, et avait. Désarmé d'une manière mystique aussi, quelque part. Il avait désarmé parce que, étant donné que, tu vois, un militaire, il vient, il sait que sa force, c'est l'arme. Hein, quand il est en face des civils. Et les milices, eux, ils s'en prennent toujours à des civils comme ils sont sans armes. Mais quand déjà, à partir du moment où le prophète qui avait maudit ces armes-là, et qui a un pouvoir assez magique aussi. Non, mais c'est le prophète. On a un militaire de déposer les armes. Oui, c'est peut-être de la magie, mais c'est de la magie de Dieu, c'est la parole. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Et dans ce cas-là, nous l'avons expérimenté, et de manière vraiment miraculeuse et prodigieuse. Et le prophète qui avait donné l'instruction aux frères et sœurs, parce que même les sœurs de l'assemblée ont pu maîtriser cette milice-là, il avait demandé à ce qu'on ne puisse pas au moins donner la mort à ces gens-là, mais de pouvoir les maîtriser, ce qui a été fait. Et ces armes ont été rendues à un capitaine de la police militaire à Kinshasa, dont le nom m'échappe. Donc vous voyez que il y avait déjà eu des antécédents. Et ce qui s'est passé encore, les faits sont connus de tous, hein, parce que les chancelleries sont au courant, même RFI avait pu au moins en parler. Donc c'est des faits que nous racontons qui sont vrais. Il y a d'autres cas pour lesquels je ne veux pas revenir ici. Mais vous voyez que ça a été encore une récidive, donc disons le 30 décembre, de la part de Kanembe et de ceux qu'on appelle Joseph Kabila, et dans sa récidive toujours de vouloir atteindre à la vue du prophète. Et c'est ça. Voilà, donc satisfait par rapport à cette nouvelle. Mais maintenant, le prophète qui est dans l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Est-ce qu'il est toujours en exil ou il compte retourner au Congo? Qu'est-ce qui va se passer après? C'est une excellente question. Je pense qu'au sortir du tribunal le 15 mai, lorsqu'il a été relaxé ou que les poursuites ont été abandonnées, il a répondu à la question du journaliste qui lui avait tendu le micro pour dire que celui qui avait voulu, qui a toujours voulu sa tête, avoir sa tête, donc celui qu'on appelle Joseph Kabila, a perdu. Il a perdu donc son combat contre le prophète. Et donc cette fois-ci, c'est le prophète maintenant qui ne va pas le rater. Et par exemple, il voulait la tête du prophète, il a raté. Mais je pense que le prophète ne va pas le rater. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi concrètement? Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va prendre les armes ou quoi? Parce que bon, Kabila est au pouvoir, il reste encore au pouvoir, il a encore un an de mandat. Qu'est-ce qu'il compte faire? Non, mais je vous ai dit ici que le prophète n'est pas quelqu'un qui aime les armes, parce que c'est un homme de Dieu. Son arme à lui, c'est la parole de Dieu. Comment il va combattre Kabila sans armes? Bon, vous savez que Kabila a toujours utilisé l'arme contre le prophète, mais vous voyez que le prophète est toujours là, il est debout. Donc, ce que nous devons comprendre, hein, c'est qu'il y a... un besoin pour le Congolais aujourd'hui de se mettre ensemble derrière une vision. Parce que ce que nous voulons tous, c'est le départ de Kanembe. C'est pourquoi c'est une aberration de parler de dialogue et de parler de transition qui pourrait être conduite par Kanembe. On va en arriver. Ce qu'il faut, c'est une mobilisation autour d'une vision, autour de cet homme, moi je pense, qui porte en lui le sacerdoce et le sacerdoce donc pour la libération de ce peuple-là. Se mobiliser autour du prophète Mouvement. Il faudrait que nous arrivions à un moment donné à parler le même langage. Parce que ce qui fait encore la force de notre ennemi, c'est justement le fait que nous ne sommes pas capables de pouvoir nous mettre ensemble. Et cette division sert souvent l'ennemi. Et le jour où nous pourrions faire front commun, hein, et autour d'une vision forte et d'une idéologie qui nous appartient, qui nous est propre, propre à notre identité en tant que Congolais, en tant qu'Africains, je pense que ce jour-là, nous serons en mesure de constituer réellement un contre-pouvoir
de taille afin de pouvoir infliger et obliger aussi que les puissances de ce monde puissent nous écouter, puissent s'asseoir avec nous et parler d'égal à égal. La division, les querelles de leadership, les querelles instantines, ce que nous voyons aujourd'hui, que ce soit dans l'opposition dite républicaine ou de Fatima et tout ça, ne sert pas vraiment la cause congolaise. Ne sert pas la cause congolaise. Or, celui qui dit, qui parle et qui tient le discours du peuple, je pense que vous ne me contredirez pas. C'est le prophète Mukongobela. Il incarne cette vision dont vous faites allusion. Il incarne non seulement la vision, mais la voix du peuple. C'est lui qui est la voix du peuple. C'est lui qui demande le départ de Kanembe. C'est lui qui l'appelle Kanembe par son nom Hippolyte. C'est lui qui dit que Kanembe est un Rwandais. C'est lui qui demande assez que ces messieurs puissent être, au moins que la communauté internationale, si elle a vraiment à cœur d'aider le Congolais, qu'ils puissent nous aider à mettre ce Rwandais hors du pays. Comment vous expliquez que c'est lui qui est président, qu'on veut nous montrer comme étant Congolais, et fils de Laurent Désiré Kabila, il ne parle pas le Kiluba. Il parle très bien le Kinyarwanda. Mais il ne connaît pas un seul mot du Kiluba. Et ainsi, c'est un Moulubakat, il devrait parler quand même, dire bonjour en Kiluba. Il a grandi hors du pays. Et même, nous avons tous grandi hors du pays. Mais je peux te dire que moi, en tant que Moulouba, je peux te parler, et même tu vas écouter. Hein. Si tu me parles en Tiluba, je veux te répondre. Donc, ce monsieur est un imposteur. Et on ne peut pas continuer à lui demander de nous conduire jusqu'aux élections. C'est une aberration. En plus de l'imposture, on ne peut pas demander encore que ce soit lui. Ce n'est pas logique que ce soit lui, parce que c'est un criminel, que ce soit lui qui nous conduise jusqu'aux élections. Ce n'est pas logique que ce soit lui également à qui, là, comme un peu, on va s'adresser pour le dialogue ou bien pour une transition. Lui, il doit simplement, donc la communauté internationale, si elle n'est pas en mesure de nous aider, on va nous prendre en charge. Mais cette fois-ci, nous prendre en charge, non pas comme un slogan, mais nous prendre réellement en charge pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Parce que... C'est quoi, là vous prenez quoi, les soulèvements populaires ou quoi? Parce que concrètement, son mandat court jusqu'à la fin de l'année 2016. Hein, les élections sont prévues à la fin de l'année 2016. Mais comment les faire partir avant les élections de 2016? Vous ne voulez pas les armes, vous voulez quoi, les soulèvements populaires? Oui, c'est une excellente question. Vous savez, le Congo est un cas assez particulier parce que dans d'autres circonstances, un pays avec un charnier, comme celui de Maluku, normalement, il devrait partir. Il devrait partir, il devrait démissionner. Il devrait démissionner et il devrait y avoir une enquête. On ne peut pas aller au dialogue, on ne peut pas parler de transition parce que c'est enjamber ces morts. Nous, en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas enjamber les morts. Même les Européens ne font pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous préconisez? Oui, j'en viens. De tels actes sont des actes génocidaires et des actes de crimes contre l'humanité. Donc on ne peut pas concevoir qu'une personne comme ça puisse rester au pouvoir. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que nous devons faire comprendre donc à la communauté internationale. Parce qu'on se tourne toujours vers cette communauté internationale. Vous violez la constitution quelque part, c'est clair. Non, mais écoutez... Demander à la communauté internationale de faire partie Kabila avant la fin de son mandat, c'est quand même anticonstitutionnel. Hein. C'est pour cela que je vous ai parlé de la fosse commune. Et il n'y en a pas qu'une. À partir du moment où il y a des cas aussi graves de trahison de la part de nos dirigeants, je pense que la Constitution, dans ses dispositifs, a prévu aussi ces cas-là. Ça ne serait pas une violation, comme vous le dites, non. Ça ne serait pas non plus une ingérence, parce que là, c'est une ingérence légitime. Parce qu'on ne peut pas laisser un président d'un pays massacrer ses citoyens, ses concitoyens, sous prétexte qu'on va violer la Constitution ou au nom de la non-ingérence. Vous demandez à la communauté internationale de faire partie Kabila avant la fin de son mandat. Mais c'est la communauté internationale qui a les moyens et où il existe encore
des instances judiciaires pour pouvoir arrêter ce monsieur et le conduire tout droit à la prison. D'accord, mais quand il est en fonction, c'est quand même un peu difficile. Peut-être après. Ce ne sera pas le premier président. Non, ce ne sera pas le premier président en fonction qui sera qu'on aura à arrêter. On a vu ça déjà dans beaucoup de situations. Je ne vais pas vous citer les cas. Il y a beaucoup de cas en Tunisie, en Libye. Kadhafi lui-même. Oui, mais c'est la population qui a. C'est pour ça qu'il s'est pris en charge. Qui s'est pris en charge. Donc partout, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Peut-être au Panama, une fois, les Américains sont allés au Panama pour prendre le président parce que voilà. C'était notre contexte également. Un contexte de la drogue, quelque chose comme ça, mais voilà. Oui, donc. Un président élu démocratiquement, moi je crois que c'est quand même assez difficile de demander à la communauté internationale de venir prendre un président qui est en fonction et que son mandat court jusqu'à la fin de l'année prochaine et de venir le prendre pour le remplacer par qui? Dans le cas de Kanambe, parler d'élection d'élection démocratique, c'est un euphémisme. Et encore, même là, le mot n'est pas assez, assez précis pour désigner ce qui se passe avec nous au Congo depuis maintenant une quinzaine d'années. Vous aurez l'occasion de lire la lettre des évêques et archevêques de Bukavu, vous l'avez lu, pour qu'ils font état de ce qui se passe au Congo donc depuis 20 ans et ce que subissent là-bas nos frères et sœurs. Donc c'est très grave. Et donc c'est ça que je disais, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partir Kanambe? Moi je veux à la fin de son mandat. Moi ici, à cette question, je voudrais répondre en disant ce qu'il ne faut surtout pas faire pour que Kanambe puisse continuer à demeurer. C'est ce que fait aujourd'hui donc l'opposition, en tergiversant, en parlant de dialogue, en parlant comme si ce monsieur était encore un interlocuteur valable. C'est ça qu'il ne fallait pas. Si aujourd'hui on était tous d'accord pour dire que Kanambe doit partir, sans qu'il y ait une opposition qui dit d'accord, nous on va au dialogue, et d'autres qui disent non, nous on ne va pas au dialogue, et l'autre qui dit non, on va attendre les élections, et d'autres qui disent non, nous on ne peut pas aller aux élections avec ce monsieur. Donc vous voyez, il fallait qu'il y ait quand même autour de la question, ne fût-ce qu'à cause des charniers de Maluku, autour de la question, il fallait qu'il y ait au moins quand même un consensus. Donc je veux dire, là, un rassemblement, une fédération autour de ces enjeux qui sont très graves pour demander que Kanambe puisse partir. Et vous verrez que dans ce cas-là, la communauté internationale sera obligée de nous suivre et de nous soutenir dans notre démarche. Ce qui fait que Kanambe demeure encore aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas ce qui se passe de cette manière-là. Alors la première question, on va effectivement aborder cette information. Qu'il fallait faire ou bien nous faisons ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que toutes ces divisions créer un terreau favorable pour l'épanouissement même du pouvoir criminel des Kanambe. Et c'est là le grand problème auquel nous sommes confrontés et qui est un souci majeur pour le prophète, de voir que la classe politique congolaise ne puisse pas être en mesure de saisir les enjeux de l'heure et au moins de refréner un peu les ambitions démesurées qu'ils peuvent avoir, mais de considérer ce peuple qui souffre depuis tant d'années et qui a maintenant aussi droit quand même un peu à un peu de bonheur. Donc c'est cela le problème. Et c'est comme ça que nous interpellons encore aujourd'hui, non seulement la communauté internationale, mais plus encore l'opposition congolaise dite républicaine ou celle de Fatima, que ce soit l'UDPS, nous interpellons cette opposition dans son ensemble pour qu'il puisse au moins écouter maintenant ce que le peuple veut. Parce que le peuple, ceux qui sont tombés le 20 janvier, donc les 19, le 18, le 19, le 20, le 21, et qui sont aujourd'hui dans la fosse commune des Maluku, certainement avec nos frères aussi du 30 décembre 2013, de considérer au moins la souffrance de ces gens et le cri
de ces personnes qui ont demandé à ce que Kanembe puisse partir du pouvoir. Et c'est cela que nous devons avoir comme langage. Autrement, je crains que nous soyons partis encore pour pérenniser le régime des Rwandais au Congo. C'est vrai, par rapport au dialogue, mais je sais aussi que le prophète préconise également le dialogue entre les Congolais. Hein. Parce que c'est son souhait. Avant les élections, il faut que les Congolais puissent se mettre autour d'une table, discuter sur les enjeux, tout ça. Mais vous, qu'est-ce que ça vous dérange vraiment au niveau du dialogue? Parce que bon, si on lit quand même le cahier des charges que l'UDPS a présenté, on ne parle pas de glissement, on ne parle pas de partage de pouvoir. Tout simplement, on parle de revenir un peu, un tout petit peu sur les élections de 2011, hein, les contentieux, et également aussi de revoir les fichiers électoraux pour qu'il y ait quand même des élections crédibles, démocratiques et libres, hein, au niveau du Congo. Qu'est-ce que ça vous dérange au niveau du dialogue? Le mot dialogue, là, parce que ça dérange un tout petit peu. Non, le dialogue ne peut pas être un problème pour le prophète. Parce que pour la simple... Son point de vue, d'ailleurs. Il était le premier à pouvoir en parler, ça je l'ai déjà eu à répéter à votre micro plusieurs fois. Et il a fait au lendemain des publications, des résultats des élections de 2011, des publications farfelues et complètement sorties comme dans un chapeau, comme un magicien dans un chapeau, de Ngoï Moulunda à l'époque. Qui est candidat à la députation provinciale à Lubumbashi. Ah. Donc, c'est un peu marrant. Et c'est avec ces gens-là qu'on veut aller aux élections. Bon, et je trouve ça vraiment dommage. Et il avait appelé à l'époque déjà au dialogue, le 5 décembre 2011. Il a appelé au dialogue pour calmer et apaiser, parce qu'il y avait déjà des massacres. Hein, qui se faisait parce que l'autre camp disait que non, c'est faux, et l'autre camp s'imposait par les armes. Donc il y a eu déjà, alors pour calmer le jeu et revenir un peu plus calmement à une situation plus apaisée, il avait demandé à ce qu'il y ait dialogue. Donc aujourd'hui, ce dialogue que nous demandons, c'est un dialogue qui ne peut pas se faire avec l'imposteur Kanembe. Mais avant 2012, ce n'était pas avec lui. C'était quand même avec lui qu'il était quand même élu président de la République. Oui, mais... Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Mais les contestes ont évolué entre-temps. On a connu le 30 décembre 2013. Et puis nous avons connu aussi le 19, le 20 janvier 2015, des massacres. Donc la situation a évolué et on comprend bien que ce monsieur... Il est là, c'est pour massacrer, n'est-ce pas? Et qu'il n'en a que faire des Congolais. Donc on ne peut pas d'aujourd'hui, logiquement, aller dialoguer avec, même si on va dans la logique pour dire qu'on va dialoguer avec avec Kanembe, soit pour l'impérium, soit pour avoir des résultats, des élections crédibles, pour toutes ces raisons-là. Logiquement, ça reviendrait à dire que vous avez chez vous un voleur, quelqu'un qui vous a pillé, et vous devez vous mettre à table pour négocier avec lui et lui demander de vous restituer ce qu'il vous a volé. Donc ça n'a pas de logique, n'est-ce pas? C'est ça que je déplore, c'est ça que nous déplorons de notre côté. C'est cette façon-là de pouvoir un peu donc duper, tromper le peuple. Tromper le peuple dans ses revendications qui sont les plus légitimes, qui veulent le départ des Kanembe. Alors on va tromper le peuple, on va lui dire, on va aller dialoguer pour ouvrir un boulevard. Donc Kanembe va s'asseoir avec vous pour vous dire, voilà, je signe mon départ et maintenant ou bien je vous donne l'impérium. Ça n'a pas de logique. Aujourd'hui qu'on connaît, qu'on a cerné l'individu, on sait que le dialogue doit se faire pour, de notre côté à nous, le dialogue est indispensable, inévitable. Il doit se faire. Après 15 années d'un régime sanguinaire et génocidaire, comme celui qu'on appelle Joseph Kabila, on a besoin de s'asseoir pour parler. Mais on a besoin d'être entre Congolais. Souvenez-vous des Outinika. Mosé avait demandé à tous les étrangers de sortir et de rester
que les laisser que les Africains, parce qu'à l'époque, il y avait encore les autres. Il laissait que les Africains. Mais ici, nous demandons. Il y avait encore les autres. Oui, il avait le Malien. Mais ici, nous demandons que ce dialogue se fasse entre Congolais, sans les Rwandais. Oui, parce que les Rwandais sont à tous les échelons de décision au Congo. Dans toutes les sphères où se prennent les décisions, vous trouverez des éléments rwandais. Donc, on n'est pas contre le dialogue, mais entre Congolais. Nous ne sommes pas contre la transition, mais transition après le départ de Kanembe. On ne va pas demander à Kanembe de nous conduire, de conduire les élections. Ça, c'est une aberration. C'est clair par rapport à cela. S'il faut quand même qu'on résume un peu en Lingala, c'est vrai qu'ici, Tolobé est un peu arrêt à poursuite. Il y a Boyebin à niveau Afrique du Sud, le prophète Mukongobile, là qui est poursuivi pour, comme instigateur. Donc il y a mouvement Oyeleka qui est le 30 décembre 2013. Le gouvernement congolais, en tout cas, est porté qui plainte et qui est justice sud-africaine et poursuivi à qui est pour un dossier. Voilà. Mais bon. Bah, trouver que ma preuve est à la quitter, donc abandonner complètement pour suite. Voilà. Également, tout le monde un peu qu'on revenir sur les dialogues où vous allez qu'on s'est faufilé, en tout cas, qu'on s'est profilé donc, à l'horizon, à niveau à Kinshasa, à Congo, entre opposition et majorité, et que voilà, à niveau peut-être à Bango, prophète Mukongobile, dialogue oui, mais entre Congolais, il ne faut pas que le dialogue on est à la conduit par Joseph Kabila. Mais maintenant, bon, il faut qu'il y ait une élection, mais comment il faut qu'il y ait en tout cas, soutient la communauté internationale, la communauté de l'Est, et surtout par rapport au dossier, il y a la fausse commune, il y a découvert qui est la commune, il y a Maloko. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une enquête pesatée, je crois que ça traîne un tout petit peu. On ne sait pas, il y a 425 corps trouvés dans une fausse commune, et il y a un Ningwana. Je crois que ça va être moi pas si moi. Alors, Emmanuel Toko, comment la souka, hein, on a évité, si vous avez encore quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a encore, je ne sais pas, des remerciements ou quoi, parce que bon, oui. Poursuite, il va abandonner, mais bon, je crois qu'il y a quand même des gens qu'il faut remercier ou pas du tout. Tout à fait, effectivement. Oui. En tout cas, je profite de cette occasion pour remercier aussi tout particulièrement. Le secrétaire général de la FIDH pour son rapport et la FIDH donc au travers de son secrétaire général. Pourra jouer quand même hein. Oui parce que ils ont parlé le premier de terrorisme d'État et ça s'est vérifié par la suite avec les événements de janvier 2015. Aujourd'hui c'est irréfutable, personne ne peut le contester et puis les fausses communes vous-même vous avez vu. Et donc nous remercions donc le secrétaire, donc la FIDH au travers de son secrétaire général Ponsapu pour le travail qu'ils ont accompli. Nous remercions aussi également nos frères et sœurs de la diaspora qui sont nombreux à nous avoir témoigné notre soutien, leur soutien pardon. Ils sont vraiment nombreux. Je ne vais pas tous les citer, sinon je risque d'oublier certains et ça ne serait pas bien. Mais ils se reconnaîtront en regardant cette émission. Et toi-même aussi, cher journaliste. Tu étais au début. Hein. Oh, oui, tu as été au début, au tout début. Ouais. La première émission, d'ailleurs, nous l'avons faite, c'était le 30 décembre, justement, 2013. C'est le 30 décembre 2013. Et vous voyez comment le temps passe. Hein, le temps passe vite. Et vraiment, je tenais aussi à te remercier, Ali, mais que Dieu te bénisse beaucoup pour ton soutien. Et lancer maintenant un message d'espoir avec cette libération. Avec dire libération, c'est comme si. Non, donc, là, c'est comme s'il avait été arrêté. Donc l'abandon des poursuites, simplement pour manque d'épreuves. Et j'allais aussi oublier un élément qui est très important, c'est de parler aussi des procès de nos frères et sœurs à Kinshasa, Ça, on a oublié. À Kolwezi et à Lubumbashi pour d'abord leur témoigner en tout cas tout notre soutien, notre affection à cette dure épreuve qu'ils sont en train de traverser. Tu es en contact avec eux? Non, ils sont en prison. Comment on peut être en contact avec des prisonniers? C'est par voie d'avocat. Peut-être par voie d'avocat, on peut encore entrer en contact avec les avocats, effectivement.
Et c'est là que, oui, donc, à exprimer mon soutien à nos frères qui sont, notre soutien à nos frères qui sont arrêtés injustement. Le résultat de l'Afrique du Sud, donc, il n'y a même pas eu jugement. Le résultat que le juge a prononcé pour le prophète devrait, en toute logique, être aussi. Jurisprudence, c'est quelque chose international, pourquoi pas? Effectivement, il y a une forme de. Oui, effectivement, c'est un cas intéressant. Et qu'il faudrait qu'on puisse relâcher simplement nos frères et sœurs qui sont emprisonnés à Kinshasa, à Lubumbashi et puis à Kolwezi. Et on devrait les relâcher puisqu'il n'y a pas de preuves. S'ils n'ont pas pu fournir des preuves en Afrique du Sud, qui nous disent comment ils vont pouvoir fournir alors les preuves au Congo. Non, il n'y a pas de preuves. Le fait qu'on ait relâché le prophète en Afrique du Sud, nous demandons à ce gouvernement-là de pouvoir au moins faire encore amende honorable, de faire une sortie un peu, comment dire, comme un petit. S'ils ont encore un peu de fierté, un petit geste d'honneur pour pouvoir libérer nos frères et sœurs arrêtés injustement depuis le 30 décembre 2013. C'est ça. Merci Emmanuel pour la disponibilité. Et puis encore une fois, partout à travers le monde, merci encore pour votre fidélité. Et dans vraiment beau tibélé, dans les États-Unis, Maréchal Souvé, Yessa, et puis les restaurants Yolo, dans Dallas, et puis dans Bosanate, Ngambé, Sayo, Assoba, la Duchesse Amanda. Merci en tout cas pour votre soutien également, et aussi, comme je l'ai dit, pour votre fidélité et conseil également. Donc, tout au coup, très prochainement, toujours branché, la site d'Abino 3fois www.lesamis2tirdc.com, émission L'heure a sonné. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.